dans mon message. Juste après le match, j'ai demandé aux joueurs de se surpasser et d'oublier ce qui s'est passé. Nous venons ici pour une victoire. Donc, je garde ma certitude. Je viens de le dire tout à l'heure au milieu du terrain. Lui a rappelé ce qui s'était passé quand nous avons joué contre la Côte d'Ivoire. Nous sommes allés les battre chez eux. Cette réalité va se répéter si demain soir. J'ai la conviction. Tout le monde a le moral, le beau fixe. La météo elle est bonne. Ça, c'est un temps idéal, la température idéale pour jouer. J'ai demandé à mon collègue ici si on peut tondre un peu aussi le gazon parce qu'il y a des endroits où c'est un peu plus profond. Donc, je pense qu'on aura à faire un très beau match et à la sortie, j'en ai gagné. Président, votre présence pendant la séance d'entraînement peut constituer encore une fois un motif d'encouragement pour le joueur, puisque c'est rare de vous voir pendant la séance. J'ai toujours été aux séances d'entraînement avec l'équipe nationale. Une seule fois, je n'ai pas été, c'était au Nigeria. Comme je leur ai dit, je suis le commandant-chef de cette équipe. En tant que commandant-chef, je dois être fort. Même si nous avons perdu à domicile, je ne peux pas les abandonner. Donc je dois venir voir la forme de tout un chacun, observer et discuter avec l'entraîneur, voir qu'est-ce que l'entraîneur propose comme technique et classement. De sorte que s'ils viennent m'en parler, que je puisse avoir des observations à émettre. Mais je pense que nous sommes venus à l'unisson et nous devons garder cette unité. Et c'est comme ça qu'on aura la victoire de demain. Président, il y a eu des matchs où on ne pouvait plus revoir certains joueurs. Maintenant que tout le monde revient, est-ce qu'on peut considérer que c'est le grand retour et qu'il y a la grande ambiance dans le groupe? Bah écoutez, il y a un seul match pour lequel les joueurs ne sont pas venus. C'était après l'hécatombe d'un matière de transport, le match amical à Tanzanie. Et je pense que les problèmes ont été résolus. Nous avons accédé à 70% de leurs désidératas. Tout le monde est là pour ça. Le reste, bon, le reste des dossiers pendants, des sujets, des points pendants, qui seront résolus progressivement. Mais au moins à 70%, les joueurs sont satisfaits, leurs désidératants ont été respectés. Donc la motivation y est. Et la motivation y est. Peut-être un message à l'endroit des sportifs congolais qui vous suivent en ce moment. Mais le message il est très clair. On a perdu la première tranche, on n'a pas perdu la qualification. Et que pour moi, la qualification devra se jouer déjà à partir de demain. Donc, il faut garder de l'espoir. En toute société, il y a des hauts et des bas. Nous n'avons pas joué avec la dame chance chose. Mais cela n'empêche que demain, nous aurons toutes les possibilités et le potentiel de pouvoir mieux nous exprimer ici, loin de toute pression. Les joueurs vont se lâcher et au finish, le peuple va retrouver son sourire. Merci et bonne chance. Merci. Venez, bata, nous les voisins. Guy, interprète. Guy, non. Guy. Non, il faut le faire. Non, Gracias.